Bonjour à tous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux pour la représentation de l'association Biblia Bobois avec Famille Koya. Et je pense qu'en fait que vous êtes disponible pour vivre un moment exceptionnel. Alors, je ne veux pas trop parler, je vais laisser la place à la troupe Biblia Bobois. Merci de les encourager pour les faire sortir. La troupe Biblia Bobois. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Révérend Père, Père Gérard, Père Prosper, cher frère en Christ, en cette période magique de Noël, nous sommes heureux de vous présenter la scène de la Nativité. Tout comme les rois venus de loin pour offrir leur présent aux nouveau-nés, nous aussi, nous venons de bien loin, d'un tout petit pays d'Afrique occidentale, nommé le Togo, vous offrir ce que nous avons de beau. Nous sommes les filles et les petites filles de la première génération de femmes dirigées pendant plus de 30 ans par notre mère Akofala Kroniski, ancienne première dame du Togo. Cette ligue de femmes, nommée la Bible Arabobo, est chargée de promouvoir l'étude des saintes écritures et veiller à leur application dans le foyer. La plupart de ces femmes étant analphabètes, les pièces de théâtre devenaient alors de véritables outils de travail dans l'éducation et la formation spirituelle des femmes au Togo. Après avoir fait fouler le sol de la Terre Sainte à bon nombre d'entre elles, la plupart étant d'un certain âge, Akofala formait le projet de les amener également dans le pays du roi soleil pour s'y produire. Cet objectif n'ayant pu être atteint de son vivant, nous, les enfants de la première génération, avons souhaité rendre hommage à nos mères en réalisant leurs rêves et en nous produisant à leur place ici même en France. Ainsi, en souvenir de toutes nos mères qui ne parlaient pas un mot de français, les sketchs se joueront principalement en effet notre langue maternelle, langue dans laquelle d'ailleurs a été interprétée tout récemment devant plus d'une quarantaine de chefs d'État le fameux Blou à l'Arc de Triomphe lors de la cérémonie du 11 novembre, Blou signifiant patiemment. Rassurez-vous, nous prendrons le soin, bien évidemment, de vous donner quelques indications en français, étant convaincus du reste que l'histoire de la nativité est mondialement connue de tous. Depuis 3 ans que nous nous produisons en France, nous avons introduit cette année une petite innovation. La Bible Arabobo sera accompagnée par la famille Koya d'Akofala. C'est donc une première que nous avons le plaisir de vous présenter cet après-midi. La famille Koya, comme son nom l'indique, est une chorale familiale dont tous les membres sont issus de la grande famille du Christ. Chorale d'amateurs amoureux de chants chrétiens et dont le principal objectif est de communiquer sa joie d'appartenir au Christ à tous, sans exception, en apportant à chacun un rayon de soleil, d'espérance et de bonheur pour améliorer son quotidien. Chers amis, acceptez donc le jeu du dépaysement, étant persuadés que la Noël à laquelle vous êtes habitués pourra devenir cette année un véritable conte riche en couleurs, en gospel et en métissage de langues qui vous transportera sous les tropiques. Tout en vous souhaitant un bon moment de détente, nous vous prions très respectueusement de bien vous lever pour rendre hommage à Marie, la Mère de Dieu, celle qui porta en son sein le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Merci à tous.
Dans sa main, les cieux de monde.
Jesus. Come on,
continue toujours mes dédicaces. Cette chanson, je la dédie à tous les malades, tous ceux qui souffrent dans le corps et pourquoi pas spirituellement. Nous voulons Georgie Kafuro. Alors que l'ange Gabriel lui apparut pour lui annoncer qu'elle a été élue, choisie pour porter l'enfant de Dieu. Et tu enfanteras un fils.
Dieu. Après tomber dans la nuit, nous venions à 20 millions d'euros. Nous allons passer à l'arrivée de l'empereur Auguste et toute sa suite impériale. Une arrivée colorée à l'africaine. L'empereur Auguste arrivera et il ordonnera que toute la contrée soit recensée. Mais avant cela, il demandera à sa garde impériale de faire une parade devant la cour. Accueillons l'empereur Auguste. Thank you.